Bon matin tout le monde, aujourd'hui je suis chez Jay et je viens de finir de me préparer, de me maquiller, mes cheveux sont encore un peu humides. Jay est en train de finir d'écouter son émission et ce matin on s'en va au Ikea. J'ai vraiment hâte parce que c'est la première fois que je me rappelle que j'y vais parce que ma mère m'a dit en fait que j'étais déjà allée mais je m'en rappelle vraiment pas. Donc ce matin on a décidé de remédier à ça et ensuite on va peut-être aller au Target et on a décidé de vous vlogger notre journée, donc c'est parti. T'es prêt? Je suis chaperon Jay. Parce que tu vas garder ton capuchon? Oui. D'accord. Fait que qu'est-ce qu'on s'en va faire? Manger des kangourous! Non! Qu'est-ce que tu fais? Mettre mes souliers. Ok, mais t'es pas capable de les mettre debout comme un grand garçon? Ça juge vite, je trouve. Ouais. Ok, sérieusement, je regarde les cartes de Catherine, puis quand je vois cette photo-là, je me dis elle a l'air d'une criminelle russe recherchée. Latvia Kserkunchnich, responsable de meurtre et de crime. Nous essayons de la trouver, mais nous ne savons pas où elle est. Ar, Laetitia, nous allons t'avoir. C'est parce que j'ai comme tellement le plus beau portefeuille au monde. Vous savez rien à dire. Hey, c'est même pas lui que j'ai acheté. Vilaine. Catherine veut absolument que ça fasse... Ah, 49 et 2. T'as fail. T'as même pas eu 49$ pile. Ah! Ah! Fail. Qu'as-tu à dire sur le fail général de 49 et 2 cents? Mais je sais, en plus, j'ai vraiment essayé de le mettre au prix... Ça se voit que t'as juste essayé et que t'as pas réussi. Fail! OK. Bonjour, mon nom est Jay. Humbo. Laissez-moi vous expliquer une situation assez particulière aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans une auto en mouvement. Pourtant, je ne conduis pas. L'enfant conduit. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Non seulement je suis beau, mais je suis un homme génial. Ok, ça suffit là! Chut! Communication. Au Québec, il fait tellement froid que des autos arrêtent de fonctionner à cause du froid. C'est pour ça que j'ai laissé ma maman prendre mon auto. Il y a juste un léger problème avec le fait qu'un enfant conduit. Ma vie est en danger en ce moment. Hey, arrête donc! Laisse-moi pas donner des exemples sur caméra. Ça fait 3 ans que je conduis. Attends, il y a une autopolice. Ouais. Mais c'est pas moi qui arrête, mais c'est juste que. C'est clairement toi qui arrête. Mais non, t'es en avant de moi. Y a personne devant l'autopolice, et des préventions. Mais non, y a quelqu'un, check ça. Chut. Arrête donc. Il donne un cue, il fait comme. C'est parce que Catherine qui s'en vient, j'ai pas pris de chance, je voulais me grouiller. Hey, dude, moi je te signale que j'ai perdu aucun point de mérite. Moi je te signale que j'embarque pas ces trottoirs puis je fais pas des paniques générales quand je conduis à Montréal au point de pouvoir faire des accidents mortels. Ah ah ah, c'est jamais arrivé. Vraiment? Il n'y a jamais eu d'accident mortel. Ah, mais est-ce que c'était dans des situations qui pouvaient causer des accidents mortels? Maybe, maybe not. Exactement. Ok, c'est correct, là, on en a senti. Ouais. C'est trop beau ici. Hey, mec! C'est vraiment trop beau, j'ai envie de tout acheter. Oh, t'es en train de lire les noms? Ouais. Ça, c'est le rose. Ça, c'est le Malentrad. Le Malenfigur. Le quoi? Et ça, c'est le cousin que personne aime, qui est le Lappenjong, parce qu'il n'était pas un malin. Ça, c'est qui? Lappenfigur. Hey, on est bien là-dedans. Ouf. Miaou. C'est comme le salon de mes rêves, il est juste vraiment trop magnifique, comme tout blanc avec du rose comme ça. Puis ça c'est le coussin de mes rêves, full excitant pis doux là. Check le puffy. Ok, on check le puffy. Ouh. En effet, c'est vraiment puffy. Miaou. Vous l'avez vu? Non. Ok, c'est vraiment beau ici. C'est une lampe de rocker. Hey, tu peux genre faire comme ça. Ok, mais là, brise pas les choses non plus. C'est Ikea. Il y a au moins facilement des choses qui sont brisées 8 fois par jour. C'est juste trop magnifique. Comme tous les tiroirs, ceci. Les autres petits tiroirs ici. La grande porte. Avec les lumières qui sont directement penchées de la porte. J'ai le beurre. C'est comme le rêve de toutes les filles. Et hommes. Aussi. Pourquoi on n'habite pas ici? Parce que ça serait un peu bizarre pour moi de me réveiller en boxeur puis devant une famille chinoise qui me regarde. T'as qu'à pas. Je fais comme non, c'est mon lit. Ouais. Holy shit! Ça, c'est comme la chambre ici. Regarde. Quoi? Ok, ça c'est parfait. Regarde bien ça. Ok, je regarde ici la chambre, right? Ouais. Regarde pas à travers la caméra, regarde ici. Ok, ouais. Regarde là. Ok, c'est sûr que c'est une joke. Zone maquillage. Quoi? Avec tout le maquillage ici.
et ensuite la salle de bain. Ok, ça c'est juste comme la chose la plus parfaite au monde. Je réitère ma question, pourquoi on n'habite pas ici? C'est juste magnifique, c'est juste trop beau, c'est juste waouh. Ok, t'as comme les méga miroirs. T'as comme le coin parfait pour me maquiller, ce serait juste vraiment trop trop beau dans des vidéos. Puis t'as comme... tout pour mettre, accrocher ton linge que tu veux. Ok, mais c'est comme parfait. Wow. Un gros walk-in gigantesque. Ok, mais il est énorme là, comme si je me mets d'un bout à l'autre ici. C'est comme... ben là, vous voyez pas vraiment là, parce qu'on voit pas vraiment la perspective, mais en tout cas, c'est vraiment huge. Si un jour j'ai une fille, c'est clair qu'elle va être dans une chambre comme ça. Ok, c'est toute rose, c'est toute princesse, c'est toute magnifique. C'est des livres en suédois. Ah, mais je pense pas parler suédois, mais bon. Gashen der Smith... bah, fuck off. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie les produits. Mais t'es pas comme... un peu trop gras? Pas plus qu'un. Allô, Jay. Ciao. Tu fais dans le coin? Je regarde le lit, mais pour vrai, c'est vraiment, vraiment beau. Merci. Je pense que comme, je vais me faire une chambre comme ça. C'est peut-être un peu petit pour toi. Non. Trop petit pour moi. Ok, c'est juste vraiment magnifique. Ah ouais, amuse-toi, petit garçon. Quoi tu parles? Je ne suis qu'un simple petit client. Là, qui en tant que client, je veux juste checker cette fois. Yeah, right. Il est vraiment pire qu'un enfant, il n'y a pas d'allure. Franchement. Go, quelqu'un retrouve cette caméra. Arrête donc! Oh non! Exagère! Oh non, AJ! Bombo! Ok, arrête, mais t'es vraiment pas drôle. T'as raison, je suis honnête. T'es gueule! No! Hey! Chose de même, c'est cute. C'est un petit pop cute, t'as une petite chose de même. Tu fumes ça encore là? Peut-être. Ben non, mais je veux savoir. J'ai envie de parler, mais je vais pas me mettre à parler dans le vide. Parle. Ben là, c'est toi que tu filmes. Pis. Ben là. Bon, bon, bon. Check la narcissique. Ouais. Non, mais j'étais juste en train de dire que c'était vraiment coquin notre petite visite au IKEA. Puis que là, ben j'étais un peu triste parce qu'on a pas le temps d'aller au Target. Parce qu'il y a trop de trafic. Pis ça me tente pas d'être pogné dans le trafic. Parce que je déteste conduire dans le trafic. Il y a rien qui me rend plus méchante. Alors techniquement, juste des autos en mouvement est considéré un trafic. Oh, ça suffit! Ouais. Les ralentissements à cause qu'il y a plein de voitures sur les routes à Montréal. Le terme exact reconnu depuis le dictionnaire est embouteillage. Ok, je déteste être pogné dans les fucking, pardon, embouteillages. Voilà, c'est dit. J'aime vraiment pas ça, les embouteillages. Ouais, alors là, en ton langage, je sais que tu vas aller au magasin de la cible, mais c'est pas une raison. Au magasin de la cible? Ouais. Au Target. Au cible? Mais c'est pas grave, je vais aller au Walmart. Ah, mais on s'en va au Costco, là. Ouais, tu me gonfles un peu, hein. Tu me gonfles. Le fait, c'est que ton accent français, il est vraiment bon. Bah, c'est normal, hein, quand t'as passé plusieurs années avec tes amis qui viennent de France. Tu t'habitues un peu. Ouais, bah, vas-y. Tu où, là? En ce moment, t'es sur une route. Non, pas bah, vrai. Bah ouais, regarde, une route. Oh, shit. D'accord. Ouais. Donc là, on est comme littéralement en train de traverser Montréal au complet. Ouais. Ouais. Réellement, le Montréal que les gens connaissent surtout, hein, le grand centre-ville avec les bâtisses, c'est complètement par en arrière. On l'a passé. Là, on s'en va vers le nord en direction de la ville de Québec et justement vers le Costco. Hein. Ah, je sens, mais où? Bah, c'est un peu évident, nous sommes dans une auto! C'est une femme, c'est clair qu'elle c'est vraiment comme. Peut-être. Ici, elle sera un peu serrée, mais c'est clair que la robe me fait. C'est une robe pour enfant? C'est une robe pour enfant, c'est une 10 ans. Taille fille, 2 à 10. Ok, chef, ça filme bien. Check ça. Ouais, là, on filme avec le Nexus à Jay, puisqu'il a oublié la flip dans l'auto. C'est normal que ça soit souvent flou. C'est comme pas fini comme ça. La flip, en passant, étant la caméra avec laquelle on filme nos vlogs. Fait que c'est ça. Si vous remarquez le changement de qualité, c'est pour ça. Bonjour, mon nom est Jay. Homme beau. Why? Pour mes chères Madame Poilu, vous avez des paquets ici.
en grand format. C'est ça. Je vous conseille grandement. Ou si vous avez du gros poil, prenez-le pour homme. Hein? Right? On sait jamais. Ici, vous puez vraiment beaucoup. Tout plein de savon, right? Y a pas d'excuse de puer. Hein, Catherine? Non. Tu vois? Même Catherine l'a dit. Catherine, c'est un enfant. Non. Puis moi, je le nourris de mauvaises choses. C'est pas des mauvaises choses. Les goldfish, c'est super bon. Ben oui. Puis les trucs, c'est aussi super bon. Oui. C'est long. Tourne-le. Comme un grand enfant. C'est oui, long. Je suis fière de toi. Si jeune. C'est pour toi. Nice. Rebelle. Ne pas toucher. Ceci n'est pas un modèle en démonstration. YOLO. Ouais, mais celle que je veux en plus. Ben prends-la. M'a roulé avec en tenant le papier. C'est pas celle que je veux. Mais non, mais va, appelle un commis puis dis-y c'est elle que je veux. Ça va être drôle. C'est elle que je veux. Elle est vraiment confortable. Comment tu l'as essayé? Je suis surtout pas assis dessus. J'ai genre 4 magasins que je fais pour des bottes de pluie puis j'en trouve pas. Où est-ce qu'on achète ça, des bottes de pluie roses de préférence? J'ai pas trouvé mes bottes de pluie, fait que je vais laisser faire, puis peut-être qu'ils vont apparaître dans un magasin bientôt, éventuellement. Hey. Dernier stop de la journée, on allait au Pharmaprix qui était pas vraiment prévu. En fait, on a fait comme 12 magasins, puis la plupart étaient pas prévus parce qu'on voulait aller au IKEA puis au Target. Puis on est pas... Tu me déconcentres, je suis plus capable de parler? Ben finalement, on n'a pas le temps d'aller au Target parce qu'on voulait pas être dans le trafic. Ouais, la cible était pas proche. Ah non, proche, l'embouteillage, pardon. Ouais, l'embouteillage. Puis là, je vais acheter mon lipstick préféré de tous les temps, qui est celui de chez Rock. En tout cas, le Inidrial, qui va excessivement très bien. Et j'ai les lèvres très sèches, donc les très contente. Les autres lipsticks sont complètement inutiles. Effectivement, les Baby Lips, bien qu'ils soient beaux, ils fonctionnent pas très très bien. Mention, parce que Jay est en train de bouder. Excusez, hein, je suis pas une YouTuber. Je suis pas capable de recommander des produits. C'est lui qui me l'avait acheté, probablement parce qu'il avait demandé à une cosméticienne, mais bon, c'est lui qui me l'avait acheté. Puis il était non, même... Google! Oh, trop cute! Il était même venu me le porter à mon travail parce que j'avais trop mal aux lèvres. Voilà, c'est dit. T'es content maintenant? Ouais, ça venait pas du cœur. Ben oui. C'est bon. Fait que là, c'est comme notre gros défi de la journée. Après être allé magasiner pendant 5 heures, il faut qu'on réussisse à vider tout ce qu'on a ici, puis des petites boîtes qu'il y a là, dans le fond. Puis là, il faut remonter la chaise en haut complètement. Ça, ça veut dire, Jay, t'as des muscles, je suis un pauvre petit enfant, toute mignonne, peux-tu le faire pour moi? J'ai compris. S'il te plaît! Qu'est-ce que tu fais? Je joue aux échecs. Tu joues aux échecs? Hein? Non, t'es en train de faire ta chaise. Aucune preuve de ça? Oui. T'as des ciseaux dans les mains pis t'as ta chaise. Ouais, c'est à mon tour de jouer pis j'ai fait B51. C'est au bingo! Quoi de chance? Je voulais vous montrer les trucs que j'ai achetés au IKEA pis finalement j'ai changé d'idée parce que j'ai eu une idée, un flash de vidéo vraiment cool à faire. Fait que finalement je vous le montrerai pas ce que j'ai acheté. Je suis plate comme ça hein, pis je vous le dis en plus. Je suis pas fine, non, Jay? Ah, pas un autre home. Non. Non, j'ai foulé une bonne idée, mais je vais te le dire après quand que je filme pas parce que je veux pas leur dire ça. Pire, dis-le moi quand même. Puis fais juste comme mettre ça sur mute pendant qu'on fait ma réaction, comme ça ce sera encore plus agace. Ouais, bonne idée. Ouais. Fait que qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup mieux. I approve this idea. Ok, fait que vous allez voir ça dans... Ben, bientôt, là, sur ma chaîne. Là. En tout cas, fait que tous les trucs que j'ai achetés, c'est tout dans le gros sac comme ça ici. Puis ça m'a pas coûté tant cher, pour vrai, c'est vraiment pas cher l'IKEA. Je l'avais dit, l'IKEA c'est comme une belle petite ville que tu veux vivre pour l'éternité dedans, parce que c'est magnifique et beau. Ouais. Tu sais, quand tu sors du IKEA, tu regardes pis t'es comme « Ouais, mais c'est laid chez moi. J'aimerais ça avoir une maison IKEA. Ce serait vraiment beau. » Un jour, peut-être. Ouais. Toi, tu survis? Très bien. Bon. C'est pas un meuble IKEA? Quoi tu parles? Ben, apparemment que les meubles IKEA sont réputés pour être durs à construire. Tu joues aux échecs? Tu joues pas aux échecs! My God! Ils connaissent pas les règles. J'ai faim. Est-ce qu'on mange bientôt? Ouais, bientôt. Ok. Nounou! Hey, on dirait une chaise! De quoi on dirait une chaise? Parce que je suis en train de bâtir. Ça, je peux juste jouer aux échecs depuis tout à l'heure. C'est une chaise, Joseph. Non, je joue aux échecs. Tu ne joues pas aux échecs? On est raciste. Moi, ma chaise, d'accord. T'as entendu. Vous voyez? Vous avez tout fucké ma game. Échec et mat.